Jesus, c'est mon temps favorable. Dis avec moi, c'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. En 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 2, la Bible déclare clairement, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Je prophétise dans ta vie. Voici le temps favorable. Amen. Voici le jour du salut. Amen. Voici ton temps favorable. Amen. Voici ton jour du salut. Amen. Voici ton temps favorable. Amen. Voici ton jour du salut. Voici ton temps favorable. Amen. Voici ton jour du salut. Amen. Voici ton temps favorable. Amen. Voici ton jour du salut. Amen. Voici ton temps favorable. Amen. Voici ton jour du salut. Amen. Rien ne pourra t'arrêter. Amen. Rien ne pourra te stopper. Amen. Aucune maladie ne peut prospérer dans ton corps. Amen. Aucune maladie ne peut prospérer dans ton corps. Amen. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, Jéhovah te guérit au nom de Jésus. Amen. Aucune maladie ne peut prospérer dans le corps de tes enfants. De leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, Jéhovah les guérit au nom de Jésus. Aucun ennemi ne pourra te stopper. En Deutéronome 28, verset 7, Dieu dit par Moïse, il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la victoire. Sur tes ennemis qui se lèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je prophétise dans ta vie, là où c'est ton temps favorable, tu as la victoire sur tes ennemis. Amen. 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 Jéhovah te donne la victoire sur tes ennemis. Amen. Elohim te donne la victoire sur tes ennemis. Amen. El Shaddai te donne la victoire sur tes ennemis. Amen. El Gibor te donne la victoire sur tes ennemis. Amen. Toutes les prophéties qui te concernent, qui étaient encore suspendues à cause du roi de Perse, qui avait bloqué leur exaucement, je décrète au nom de Jésus. Amen. Ces prophéties descendent dans ta vie. Amen. Et elles s'accomplissent. Amen. Ces prophéties descendent dans ta vie et elles s'accomplissent. Amen. Toutes les promesses que Dieu t'a faites, reçois-les au nom de Jésus. Amen. En Hébreux chapitre 6, au verset 15, la Bible dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. En Hébreux chapitre 10, au verset 23, la Bible dit, retenons donc fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. En Hébreux chapitre 10, verset 36, la Bible dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous avait été promis. Je prophétise dans ta vie, tu obtiens aujourd'hui ce qui t'a été promis. Amen. Tu obtiens aujourd'hui ce qui t'était promis. Amen. Parce que tu persévères dans la foi, parce que tu persévères dans le Seigneur, reçois ce qui t'était promis. Amen. Reçois ce qui t'était promis. Amen. Reçois ce qui t'était promis. Amen. En Genèse 21, à partir du verset 1, la Bible dit, l'Éternel se souvient de Sarah. Je prie pour toi, que Dieu se souvienne de toi. Amen. Il fit pour elle ce qu'il lui avait promis. Que Dieu fasse pour toi ce qu'il t'a promis. Amen. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, de ton esprit en passant par ton âme et arrivant à ton corps, que Jéhovah fasse ce qu'il a promis pour toi. Amen. Que Dieu fasse pour toi et ta famille tout ce qu'il a promis. Amen. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, je reçois. Dis avec moi, c'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. C'est le temps favorable de tes enfants. Amen. Cette prochaine rentrée, tes enfants seront à la tête. Amen. Shabarabalabalabala. Cette prochaine rentrée scolaire, tes enfants te feront honneur. Amen. Dans leur travail, tes enfants te feront honneur. Amen. Dans leur foyer, tes enfants te feront honneur. Amen. Dans leur vie, tes enfants te feront honneur. Amen, 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 amen. C'est le temps favorable pour ton miracle. Amen. C'est le temps favorable pour ta guérison. Amen. C'est le temps favorable pour l'obtention de ce que tu veux. Amen. Dieu t'exaucera. Amen. Et Dieu t'aidera. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le thème sur lequel nous prions pour ce mois d'août, c'est Dieu est mon aide. En 2 Chroniques, chapitre 25, verset 14, il dit, Dieu a le pouvoir d'aider, le pouvoir de faire tomber. Je prie pour toi, Jéhovah ne te fera pas tomber, il t'aidera au nom de Jésus. Amen. Elohim ne te fera pas tomber,
il t'aidera au nom de Jésus. Mais... Adonai ne te fera pas tomber. Il t'aidera au nom de Jésus. Baratazazaka, au nom de Jésus. Dieu va t'aider. Amen. Bienvenue dans ce programme, c'est mon temps favorable, édition du mois d'août. Nous sommes le jour 2 de cette première semaine et nous avons commencé à prier hier. Nous allons poursuivre aujourd'hui par la grâce de Dieu et nous savons que Dieu entendra nos prières pour nous exaucer. En Michée chapitre 7, verset 7, il dit clairement « Car Dieu m'exaucera ». En Osée 2, 23, il dit « En ce temps-là, j'exaucerai les cieux ». Les cieux exauceront la terre exaucera l'huile, le moût et le blé, et exauceront Israël. Amen. En 2 Chroniques 7, verset 12, la Bible déclare par le Seigneur, clairement et clairement et clairement, il dit à Salomon, j'exauce ta prière. Amen. Quand vous lisez Jean 14, verset 13, et Jean 14, 14, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc Dieu est prêt à t'exaucer. En 1 Jean 5, 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance qui nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, à partir du verset 14, verset 15 et tout, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que ce que nous lui demandons, nous l'avons poussé dans la chose, quelle qu'elle soit. Donc, pendant que tu seras en train de prier, je vais te demander une chose, prie avec la foi. En Matthieu 21, 22, Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Donc, tout ce que tu vas demander avec foi, pendant qu'on prie, tu le recevras au nom de Jésus. Amen. En Marc chapitre 11, verset 24, dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je te demande de telle sorte, pendant que tu es en train de prier, crois que tout ce que tu demandes, tu l'as reçu. Amen. Et tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. Matthieu chapitre 7, verset 7, la Bible dit quoi? Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Matthieu verset 8, il dit, car celui qui demande, reçoit. L'on donne à celui qui demande. L'on ouvre à celui qui frappe et celui qui cherche, trouve. Donc, tu vas chercher, tu vas trouver au nom de Jésus. Amen. Tu vas demander, tu vas recevoir au nom de Jésus. Amen. Tu vas frapper, on t'ouvrira au nom de Jésus. Amen. Aucune porte ne te restera fermée. Jéhovah t'exaucera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer. Hier, on a prié à partir de Ésaïe 14. Nous continuons avec Ésaïe 14. À la grâce de Dieu. Et cela nous permet, parce que nous prions sur la base des Écritures, cela nous permet de connaître la parole de Dieu en même temps, et puis, n'est-ce pas, de nous développer à la fois dans la prière et dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 14, on regarde le verset 5, d'abord on va prier le verset 3. La Bible dit, verset 2b, les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Ésaïe 14, 2. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur les oppresseurs. Amen. Je dominerai sur ce qui m'a dominé. Amen. Quelle que soit la nature de ce qui t'avait dominé, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire cette prière. Dieu te donnera la puissance pour dominer sur ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dominerai sur ce qui m'a dominé. Dès que tu m'entends prier, commence à prier avec moi. Amen. Quand tu m'entends proclamer, dis Amen, dis je reçois. Amen. Je dominerai sur ce qui m'a dominé. Je dominerai sur ce qui m'a dominé. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Je dominerai sur ce qui m'avait dominé. 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 Je vaincrai ce qui m'avait vaincu. Je vaincrai ce qui m'avait vaincu. Je vaincrai ce qui m'avait vaincu. Je dominerai sur ce qui m'avait dominé. Je vaincrai ce qui m'avait vaincu. Je dominerai sur ce qui m'avait dominé. Je vaincrai ce qui m'avait vaincu. Je dominerai sur ce qui m'avait dominé. Je vaincrai ce qui m'avait vaincu. Je dominerai sur ce qui m'avait dominé.
Je vaincrai ce qui m'avait vaincu. Je dominerai sur ce qui m'avait dominé. Je vaincrai ce qui m'avait vaincu. Barata Zatare. Le barate Zaza. Eroba de Karobada. Reba Mouchage. Makabre Durabada. Ilamazele Barento. Karima Karobahete. Ebrusa Se Karama. Erodoto Karamade. Le Bakatu Barete. Eramaza Karokale. Ebari Makatu Brade. Eramate Zakaruba. Kabali Terra. Mazette breke, makaru makarete te, eli maro mazakatubla, eli matata kabalete ke, ibarato zakaramaja, leke te barakota breke, je dominerai ce qui m'avait dominé, je vaincrai ce qui m'avait vaincu, je dominerai ce qui m'avait dominé, je vaincrai ce qui m'avait vaincu, je dominerai ce qui m'avait dominé, je vaincrai ce qui m'avait vaincu, je dominerai ce qui m'avait dominé, je vaincrai ce qui m'avait vaincu. Barata barata, retete karama, erotoso karama, elikwati kare, zeporoto karomaka, kantubarim te bretere, elekete barata, zezerokotura kade, erumata brentu karede, rebazi karakoraka, ebula seke ramate, ebula male karubaza kade, Ekunda barente karuba jakata, abalanda sabaro kata, ekunda frinde la katura bata, imala barota sakala kato, rata katata, ibala bakala, eroto sakata, elegeto la bata, jeke rozo rusa, reke tu baruse, le baru makato, akaba shoka rabaka, je dominerai ce qui m'avait dominé, je vaincrai ce qui m'avait vaincu, je dominerai ce qui m'avait dominé, je vaincrai ce qui m'avait vaincu, je dominerai ce qui m'avait dominé, je vaincrai ce qui m'avait vaincu, je dominerai la pauvreté, je vaincrai les infirmités, je dominerai la multitude et la colère, je vaincrai les querelles, je dominerai sur ce qui m'avait dominé, je vaincrai ce qui m'avait vaincu, radadada, ibarakato, rededede, ramadosase, karima kato, kantibrandore, lebahute brede, ezuzatatata, karabatura bata, ekabarinte lekete, rabato rakata, ibalasazamo, rakato baka, ebutate zeke, rebakantura kate, lebarito lakata, abarata rata, orototo zakata, ebari makato braka, elakato ramaze, imarabazakato, abarakato, Ajajakato, akabari borokoto, abrikatu rate zaka, ebumakara bato, arabande zeke dobraka, rekete lekalabra, ebumakata zazaka, adorata jakato bro, lekatu rabata, mazeze rototo, marata pretete, ekura matase, letoro batike, kontu barimata, akula zakata, leketo brataja, le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 l
Je domine les cauchemars. Je domine les femmes de nuit. Je domine la pauvreté. Je domine la prostitution de la colère. Je domine toutes ces choses. Je domine la sorcellerie. J'ai vaincu le diable. J'ai vaincu le péché. Je détruis, je fais les mauvaises compagnies. Je domine les mauvaises compagnies. Tous ceux qui m'avaient dominé, tous ceux qui m'avaient vaincu, je dominerai sur vous. Je vous vaincrai au nom de Jésus. Je dominerai la paresse spirituelle. Je vaincrai la négligence spirituelle. Ragado ragade, remazuza garaba, ebula matega, ratata zazaga, rokate brakato, avita gada, leke do braka, sete sete, zumara tuande, lebuka ne maka, ebrila makare, leke toto rakade, sete marito rama, ebula makare bato, makale te zato za, mati bato dane kese, Ah, 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 ah
para majaga tabraka ipara majaga tabraka ipara majaga tabraka ala parete tete 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 asaka doraka erubale kete erimado saka je dominerai sur ceux qui m'avaient dominé. Je vaincrai tous ceux qui m'avaient vaincu. Je dominerai sur ceux qui m'avaient dominé. Je vaincrai ceux qui m'avaient vaincu. Ragata barakata. Il la batata sasaka. Rakato rakata jekete. Il m'a la baramata sakata. Continue. Je dominerai ce qui m'a fait dominer. Je vaincrai ce qui m'avait vaincu. Je dominerai ce qui m'avait dominé. Je vaincrai ce qui m'avait vaincu. Ma famille dominera ce qui l'avait dominé. Ma famille vaincra ce qui l'avait vaincu. Ma femme dominera ce qui l'avait dominé. Ma femme vaincra ce qui l'avait vaincu. Mes enfants domineront ce qui l'avait dominé. Mes enfants vaincront ce qui l'avait vaincu. Rekete ramadaraba. Rekete ramadaraba. Arabatata progata. Rekete karatataraka. Les basiques à et par la totale, Elle Rabate.
les guetteurs du Bala, c'est que tout Balaga le mettait. Et les guetteurs Ramada Zakano, Ramada Zakano, Ibala Ramada Zakano, Je dominerai sur la sirène des eaux. Je vaincrai la sirène des eaux. Je dominerai sur tous les esprits des eaux. Je vaincrai les esprits des eaux. Ratatatatata. Je dominerai sur les mauvaises pensées. Je vaincrai les mauvaises pensées. Ropaka rakata. Ekopoto rakata. Ilabashakato ramata. Les asato rakatabra. Les marantu brade ganabata. Les keto rakate zakato braga. Ekopoto jajakata bragata. Imalabazakato rakata lege. Arumaka. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie pour toi. Je ne sais pas ce qui avait dominé sur toi avant. Mais je sais une chose. Ésaïe chapitre 14, verset 2 dit : ils rendront captifs ceux que tu avais rendu captifs. Ils retiendront captifs ceux que tu avais rendu captifs. Ils domineront sur les oppresseurs. Tout ce qui t'avait oppressé, à partir d'aujourd'hui, domine sur cela au nom de Jésus. Tout ce qui avait dominé sur toi, domine sur ça au nom de Jésus. Tout ce qui avait fait de toi captif, tu le retiendras captif au nom de Jésus. Si c'est la sirène des eaux, domine sur elle. Amen. Le mari de nuit, domine sur lui. Amen. La femme de nuit, domine sur elle. Amen. La méchanceté, domine sur elle. Amen. La rancune, domine sur elle. Amen. L'hypocrisie, la calomnie, l'ivrognerie, la cigarette, les mensonges, les bavardages, domine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les problèmes financiers, domine au nom de Jésus. Amen. La pauvreté, domine au nom de Jésus. Amen. Sur les dettes, l'esprit des dettes, domine au nom de Jésus. Amen. Sur les maladies, sur toutes sortes d'infirmités, domine au nom de Jésus. Amen. Sur le recommencement perpétuel, tu vas, tu reviens à zéro. Tu vas, tu reviens à zéro. Au nom de Jésus, domine sur ce système au nom de Jésus. Amen. Quel que soit même ce que je n'ai pas cité, mais que le diable utilisait pour dominer sur toi, que le diable utilisait pour te presser, qu'il utilisait pour te rendre captif, la situation est renversée à ton avantage. Amen. Tu domines sur ton oppresseur. Amen. Tu triomphes de celui qui avait triomphé de toi. Amen. Reçois la victoire au nom de Jésus. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même après cette prière. Amen. Tu vas commencer à sentir en toi quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Amen. Les choses ne seront plus pareilles. Amen. Si tu reçois, dis amen. Amen, 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 je reçois, amen, amen, amen. Shabaratata. Ésaïe chapitre 14 toujours. Ah. On a prié hier avec le verset 3. On a prié hier avec le verset 4. Allons au verset 5. La Bible est un livre de prière. Si tu sais l'utiliser, ta vie changera au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que nous essayons de faire par la grâce de Dieu.
Ésaïe chapitre 14, verset 5, la Bible dit, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Nous sommes engagés dans des prières de combat ce jour. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Azazakata. Rakata. Le bâton des méchants et la verge des dominateurs sur ma vie est brisé au nom de Jésus. Le bâton des méchants, la verge des dominateurs sur ma vie est brisé au nom de Jésus. Amen. Le bâton des méchants, la verge des dominateurs sur ma vie est brisé au nom de Jésus. Amen. Dans ce passage, on parle de la servitude d'Israël en Égypte. Quand tu lis, tu ne vois que Israël esclave. Mais derrière, c'est tout un travail spirituel qui se faisait. Mm. Derrière, c'est tout un travail spirituel qui se faisait. Mm. Donc, c'est ce que le Seigneur révèle par Ésaïe. Et c'est ce que nous sommes en train d'utiliser par la prière, parce que ce qu'Israël a vécu en Égypte, c'est ce que nous vivons aujourd'hui spirituellement. Mm. Et qui agit sur nous physiquement. Mm. Quand tu as sur ta tête la verge des méchants, tu ne crois que des gens qui te font du mal. Je vais t'expliquer comment prier. Quand tu as sur ta tête le bâton des méchants, tu ne crois que des gens qui te font du mal. Quand la verge des dominateurs, quand la verge des dominateurs est sur ta vie, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Il y a des gens qui ont envie d'être de bons chrétiens. Ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y a une force étrangère qui les empêche de prier. Une force étrangère qui les empêche de méditer la Bible. Qui les empêche de jeûner. Une force, quelque chose, quelque part, qui vient chaque fois mélanger tes résolutions. Israël a souffert 430 ans en train de faire. Souvent, nous oublions que quand Joseph est rentré en Égypte, il est rentré comme esclave, comme une marchandise. Ok. Et Dieu l'a élevé en Égypte. Écoute-moi bien, on va prier. Et Dieu l'a élevé en Égypte. Qu'est-ce que le diable a fait? En rendant les descendants de cette génération-là esclaves, ils les ont ramenés à l'état dans lequel Joseph était rentré en Égypte. C'est ce que le bâton, la verge des dominateurs fait. On te ramène à avant. Ce de quoi Dieu t'a délivré, c'est là-bas qu'on te ramène. Ce de quoi Dieu t'a délivré, c'est là. Ce péché que tu as abandonné, le dominateur vient et te prend, il te ramène dedans. Cette attitude que tu as vaincue, on te prend, on te ramène dedans. Mais on va prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la prière, Dieu va briser la verge, va briser le bâton des méchants et la verge des dominateurs. Amen. Le bâton des méchants, la verge des dominateurs sur ma vie est brisée. Le bâton des méchants, la verge des dominateurs sur ma vie est brisée. Le bâton des méchants, la verge des dominateurs sur ma vie est brisée. Le bâton des méchants, la verge des dominateurs sur ma vie est brisée. Le bâton des méchants, la verge des dominateurs sur ma vie est brisée. Rekete baraka, rebaka robata, imarate zakata, imarata zakata, imaletete, imaratosa, rabakatabra, legetete, ramadaraba, erotosaka, kerobakate, merato. Le bâton des méchants, la verge des dominateurs sur ma vie est brisée. Roka karakata, 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 roka karakata. Roka karakata, rekete kete, rekete kete.
La Le patron des méchants et la verge des dominateurs qui exerçait sur ma fille est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Abra tata,
Je suis libre, 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 ma famille est libre, mes biens sont libres, je suis libre, ma famille est libre, tout ce qui est à moi est libre. Rakataka, regetete, rakatata, regetete, rakatata, regetete, rakatata, regetete, rakatata, regetete, rakatata, regetete, rakatata, regetete. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre spirituellement, je suis libre financièrement, je suis libre scolairement, je suis libre académiquement, je suis libre maritalement, je suis libre spirituellement, je suis libre. Le bâton des méchants, la veste des oppresseurs qui était sur ma vie, brisé au nom de Jésus. Brisé aujourd'hui, brisé aujourd'hui, brisé aujourd'hui. Rakatakata, Ibarabataza, Eumakaraba, Elimakatabra, Elubakatabra, Eleketeleka, Eurokototosa, Arakatabata, Iratataka, Eurototoko, Akabarata, Elekete, Omataza, Kabarimate, Leketaroka, Irakatata, Kabarataza, Reketuraba, Ipa. Rakata, ekarabata, regetete, omrokototo, regetete, omrokototo, regetete, omrokototo, regetete, omrokototo, abarata. Nous avons prié. Shabali Karabala. Je prophétise dans ta vie. Je reçois. Ajaja. Ce bâton par lequel le diable te retenait, cette verge par laquelle le diable te retenait, aujourd'hui l'Éternel les brise tous les deux au nom de Jésus-Christ. Ce bâton par lequel la sorcellerie te retenait, les vaudous te retenaient, les démons te contrôlaient, le bâton inspire la peur. Amen. Les menaces que tu vivais dans tes rêves, les menaces qui venaient dans tes pensées, c'est cette pression qui était sur toi, ces attaques que tu subissais, leur force est brisée aujourd'hui. Amen. Le bâton des méchants est brisé sur ta vie. Amen. La verge des dominateurs qui exerçait sur ta vie est brisée maintenant. Amen. Je décrète, tu es libre au nom de Jésus. Amen. Tes enfants sont libres au nom de Jésus. Amen. Ton mariage est libre au nom de Jésus. Amen. Tes finances sont libres au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est à toi, libre au nom de Jésus. Amen. Plus de dominateurs. Amen. Plus d'oppresseurs. Amen. Plus de bâtons démoniaques. Amen. Plus de verges démoniaques. Amen. Jésus te libère. Amen. Jésus te libère. Amen. Jésus te libère. Amen. Tout ce que le diable avait attaché sur toi et qui te rendait lourd dans tes déplacements, qui te ralentissait, cette paresse de faire les choses,
Tu pouvais dire beaucoup de choses, mais tu faisais peu de choses. Cette action est démoniaque. Amen. Je vois Jéhovah couper tous les fardeaux qui avaient été mis sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce que le diable avait mis à toi, qu'il avait attaché sur toi pour t'alourdir, pour rendre tes pas difficiles, pour ne pas que tu t'engages dans ce que tu dois faire, aujourd'hui ces fardeaux sont détruits au nom de Jésus-Christ amen, de Nazareth. Amen, 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 amen. Jéhovah te rend capable de faire, de dire et de faire. Amen. Jéhovah te donne la capacité de dire et de faire. Amen. Reçois la liberté au nom de Jésus. Amen, je reçois la liberté. Amen. Nous allons prendre notre dernier sujet de prière, qui est notre sujet de base aujourd'hui. Ayamarabalaja, retete karabasu katawa. Toujours Esaïe chapitre 14, on va prendre notre sujet de base. Verset 7. Ha! Quel sujet! Verset 7. Il dit: toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Esaïe chapitre 14, verset 7. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Toute la terre vit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Je décrète, ma vie est pleine de repos. Amen. Pleine de paix. Amen. Pleine de chant d'allégresse. Amen. Ma vie est pleine de repos. Pleine de paix. Pleine de chant d'allégresse. Ma vie est pleine de repos. Pleine de paix. Pleine de chant d'allégresse. Ma vie est pleine de repos. Pleine de paix. Pleine de chant d'allégresse. Ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de chants d'allégresse. Ma vie est pleine de repos, pleine de paix et pleine de chants d'allégresse. Ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de chants d'allégresse. Ma vie est pleine de repos, pleine de paix et pleine de chants d'allégresse. Ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de chants d'allégresse. Dis avec moi: oh Dieu mon sauveur, oh Dieu mon sauveur, oh Dieu mon sauveur, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière, entends ma prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et je confesse, je décrète et je confesse, ma vie est pleine de repos, ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de paix, et pleine de chants d'allégresse, pleine de chants d'allégresse, ma vie est pleine de repos, ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de paix, pleine de pleine de repos, pleine de repos, pleine de paix, pleine de paix, et pleine de chants d'allégresse, pleine de chants d'allégresse, ma vie est pleine de repos, ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de paix, et pleine de chants d'allégresse, pleine de chants d'allégresse, ma vie est pleine de repos, pleine de repos, pleine de paix, pleine de paix, et pleine de chants d'allégresse. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Ragadagadaga, erumada rabase, rekedo rabadaga, erimale katuraba. Ibarata Zagata, Rekete Brakato, Razaza Rekete, Rema Uzalabra, Ekantu Barinde, Mare Mazentora, Leketo Barinde, Remata Zagata, Arakata Zagato, Ramakaro Bakale, Lemazizerato, Arimakanti Bara, Lekete Brakato, Arimata Zegede, Orokotu Barata. Remekato brade, Ramazekete, Imarapato rakate, Ekilabaro makata, Akata brentu bare, Roma zakato, Akamalekete, Orokozo rakate regete, Imalabata jakara, Redete rakata, Redete rakata, Redete rakata. Ma vie est pleine de repos, ma vie est pleine de paix. Ma vie est pleine de chants d'allégresse. Ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de chants d'allégresse. Rakata pakata, imarapata zakata, irakato torakata, irretetetetete, roparatata zaka, imalaka rakato, maribarateze, reporatata zaka, koparite braga.
Robarite braka, arabatazaka, orokotokoto, kabarita rakato, alibarete zakane, robaka dibro zakana, leke du barido lake, erumakatu baraka, orubajaka rubaska, le sosoraka, ebrolozaka, rabatete, erumakanto, rabazete, erubakare, leke tora, barumakante, erubazate, korakatere, le barutata, erumasekete, baramatorate, zazarototo, agarakara, okopataja, erengeteje, erubatepe, le redetela, orakatara. Je décrète, je confesse la vie de ma femme, la vie de mes enfants, le ministère que Dieu m'a confié, plein de repos, plein de paix, plein de chants d'allégresse. Rakatanada, imarabakata, irabataza, aparatora, legedegete, robasasada, eruparata, irakatabra, iramatata, kabaredete, erupakato, arimateze, ramatubrata, imaratata, redegete. Ma vie est pleine de paix, ma vie est pleine de repos, elle est pleine de chants d'allégresse. Rakatoto, Ramaza, il n'y a pas de place pour la tristesse, il n'y a pas de place pour l'amertume, il n'y a pas de place pour le deuil, il n'y a pas de place pour la douleur, il n'y a pas de place pour les plaintes, il n'y a pas de place pour les conflits, il n'y a pas de place pour les regrets. Je décrète, je confesse, ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de chants d'allégresse. Ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de chants d'allégresse. Ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de chants d'allégresse. Ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de chants d'allégresse. Ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de chants d'allégresse. Ma vie est pleine de repos, pleine de paix, pleine de chants d'allégresse. Ratatata, 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 orazora, le cabrota, ibarato, cabarente, zetete kara, orokotubra, le ketorake, maruzabara, eleketuba, aratata, arabata, e kabaroto, arumazete, kabropotubra, Lekete bareto, arimate vete, rimaka ropo, azuzatete, le bruta tabuta, akura majaja, bekaroteva, amarisasa, elibaro karaka, roko tumaraka, ezizete de karo, kantu brando brade, ramasa jakana, ispara karaka. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. My God, my God, my God. Connecte ta foi, ma foi. Je connecte ma foi. Là où tu es, connecte ta foi, ma foi. Je connecte ma foi. Je décrète dans ta vie. Je reçois. Shabarabalakala, Shantadarata. Ilabarakatura, Batazetete. Tout ce qui dominait sur toi, tu domines sur ça au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui dominait sur toi, tout ce qui avait triomphé de toi, par la puissance du Saint-Esprit, par la force de la grâce, tu deviens son dominateur au nom de Jésus. Amen. Tous ceux et toutes celles qui t'avaient maintenu, retenu dans la servitude, tu deviens le dominateur au nom de Jésus. Amen, amen. Ceux que tu avais servi avant te servent au nom de Jésus. Amen, amen. Je prie pour toi. L'Éternel brise le bâton des méchants, amen. La verge du dominateur, amen. De dessus ta vie. Amen. Ce bâton et cette verge sont brisées au nom de Jésus. Amen. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Amen, je suis libre. Tu es libre. Amen, je suis libre. Tu es libre. Amen, je suis libre. Shabbat.
connaît ta foi. Il n'y a plus de place pour la douleur dans ta vie. Amen. Il n'y a plus de place pour les souffrances dans ta vie. Amen. Il n'y a plus de place pour les fatigues dans ta vie. Amen. Il n'y a plus de place pour les agitations dans ta vie. Amen. Il n'y a plus de place pour la servitude dans ta vie. Amen. Il n'y a plus de place pour le deuil dans ta vie. Amen. Il n'y a plus de place pour la tristesse dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, je décrète. Ah, je reçois. Selon l'ordre d'Ésaïe 14, verset 7, ta vie est pleine de repos. Amen. Ta vie est pleine de paix. Amen. Ta vie est pleine de chants d'allégresse. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de larmes de tristesse. Amen. Il n'y a plus de place pour la mort prématurée. Amen. Il n'y a plus de place pour la pauvreté. Amen. Il n'y a plus de place pour les longues pensées. Amen. Il n'y a plus de place pour l'anxiété. Oh, yes. Il n'y a plus de place pour le trouble. Amen. Ta vie est remplie de repos. Amen. Ta vie est remplie de paix. Amen. Ta vie est remplie de chants d'allégresse. Amen. Jéhovah bénit ta vie. 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 Jéhovah bénit ta vie. Amen. Jéhovah bénit ta vie. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Reçois le repos. Amen. Reçois la paix. Amen. Reçois le repos. Amen. Reçois la paix. Amen. Chante des chants d'allégresse. Alléluia. Chante des chants d'allégresse. Alléluia. Selon Esther 9, 22, la tristesse a été changée en joie. Amen. Et le jour de la désolation en jour de fête. Amen. Maintenant ta tristesse est changée en joie. Amen. Le jour de ta désolation en jour de fête. Amen. Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Dieu te donnera des raisons de célébrer. Amen. Jéhovah te donnera des raisons d'être joyeux. Amen. Dieu te donnera des raisons d'être heureux. Amen. Dieu te donnera des raisons de sourire. Yes. Reçois au nom de Jésus. Amen. Bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Amen. Grâce Amen. Sur grâce. Percée sur percée. Élévation sur élévation. Amen. Gloire en gloire. Amen. Gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. Réussis au nom de Jésus. Amen. Tu es en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est à toi est en bon état. Oh, yes. Tes enfants sont en bonne santé. Amen. Toute ta famille est en bon état. Amen. Dieu te bénisse. Bon Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Si tu es malade, mets la main où tu as mal, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Je libère sur toi l'onction de la guérison. Amen, je reçois. Je libère sur toi l'onction de la guérison. Amen, je reçois. Matthieu chapitre 10, verset 1, 2, Luc chapitre 9, verset 1, 2. Jésus leur donna le pouvoir de guérir les maladies. Amen. Je décrète la maladie que notre corps est guéri au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Au niveau de ta tête, au niveau de tes yeux, au niveau de tes os, au niveau de tes nerfs, au niveau de tes muscles, de tes organes vitaux, comme les reins, les poumons, le cœur, le foie. Maintenant même, tu es guéri au nom de Jésus. Amen, amen. Jésus amen. Pose ses mains sur toi. Tu es libre totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Demain mercredi, pour continuer à prier. Amen. La Bible dit 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Donc nous allons prier et nous allons voir le grand résultat de notre vie. Dieu bénisse ta journée. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lumière sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur toi. Amen. Dis avec moi, c'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Je suis un homme riche. Je suis une femme riche. Au nom de Jésus. À demain par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ciao.